Vous êtes sûr de ce que vous dites? C'est bien cet homme? Oui, oui, c'est Ivo Gonsalves, le mari de Nahir. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Et pourquoi vous avez une photo de lui? Parce que c'est mon cousin éloigné. Ah oui. Oui, on ne se voit pas depuis longtemps. Mais quand j'étais là l'autre jour, vous savez, quand j'ai eu mon malaise, je me suis dit que c'était l'occasion de se revoir. Drôle de coïncidence. Mais si j'ai bien compris, le petit garçon qui était là l'autre jour... Gerson, c'est ça? C'est le fils d'Ivo. Pauvre gosse. Il voit à peine son père. Tout le temps en voyage d'affaires. Et il doit avoir plus ou moins quel âge? Gerson? Dans les 10 ans? Il a 10 ans. Bon, j'y vais. Merci pour tout et un de ces jours. Hé! Hey, vous voulez pas savoir où ils habitent? Trahi depuis 10 ans. Comment tu as pu me faire ça? Bois, ma chérie. Et après, tu vas choisir les jouets que tu veux emporter. C'est déjà fait. On peut partir à Luanda tout de suite. Pas tout de suite. Papa doit finir de réparer la voiture de Dilson. Mais demain, on partira de très bonne heure. J'ai tellement envie de revoir maman. Je ne veux plus jamais être loin d'elle aussi longtemps. Oh, ma puce, c'est pour ça qu'on part à Luanda. On va aller chercher maman et Joël et après, on sera tous ensemble ici à Lubango. Je suis très contente. Mais il y a une chose qui me rend triste, papa. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Quand on sera arrivé chez Tata cette fois-ci, je ne pourrai pas jouer avec Nzola. Maintenant, elle est devenue une étoile dans le ciel. Viens là, chérie. Tu as raison, c'est une étoile. Elle est partie et elle se repose, tu comprends? Ma princesse. Vous savez ce que j'aimerais? Que le temps recule. Pour que je puisse embrasser ma fille. Protéger Nzola. Maria, tu es une bonne mère. Tu ne pouvais rien faire pour empêcher ce malheur. Je viens à l'église demander à Dieu la foi. Mais je ressens de la haine. Une haine énorme. Oh, ma fille, Dieu dit que nous devons éloigner ces pensées. Dieu nous a tourné le dos quand ces bandits ont attaqué ma fille. Qui abandonne une fille innocente? Ce n'est pas vrai. Ce sont les hommes qui sont sur terre. C'est eux qui font le bien et le mal. Ce n'est pas Dieu. Mais alors, s'il est partout, pourquoi ils ont agressé ma fille? Oh, mon Dieu! Elle repose en paix maintenant. Oh, mon Dieu! Notre petite fille est morte en aidant les pauvres. Mais il y a tellement de gens qui font du mal les uns aux autres. Et c'est ma fille qui donnait à manger aux enfants pauvres et qui meurt. Je sais, c'est dur à admettre, ma fille. C'est dur à comprendre. Mon cœur est meurtri. J'ai trop mal. Aidez-moi. Écoute, ma fille. Maintenant, on doit s'occuper de la famille, des proches. N'oublie pas que Roberto et Lemba ont besoin de toi. Je sais. Roberto, je ne comprends pas son attitude. Tu sais, les gens ne sont pas tous pareils. Et chacun réagit face à la mort à sa façon. Mais il boit beaucoup trop. Il boit pour oublier son chagrin. Et nous, on doit faire quelque chose pour l'aider. Allez, on s'en va, on y va. Je suis tellement fatiguée, je ne sais pas si... Bien sûr que si. Oh mon Dieu, on a été cambriolés! Mais c'est quoi ça? Oh. Oh. Roberto! Roberto! Mais la serrure n'est pas forcée. Alors, ils avaient la clé.
Je vais voir à la cuisine. Oh, mon Dieu! La cuisine aussi est sans dessus dessous. Pour l'instant, rien ne manque ici. Ah bon? On dirait que tout est là. Roberto n'est pas à la maison. Je parie que c'est lui qui a fait ça. Tout ce désordre, pourquoi? À cause de la boisson. Je pense qu'il a dû chercher partout, comme un fou. Je ne crois pas qu'il a fait tout Maria, ça. J'ai jeté toutes les bouteilles avant de sortir. Il n'y a plus une goutte d'alcool dans cette maison. Est-ce qu'il est sorti pour aller boire? En tout cas, il n'est pas allé travailler. Oh, belle maman. Il faut qu'on le trouve avant qu'il arrive un autre malheur. Allez, venez, allons-y. Épreuve lundi prochain. Oh! Silence. Non. Déjà, madame. Cessez de rouspéter, révisez les matières. Qu'est-ce que ça veut dire? Laisse tomber, révise la matière, ok? Une épreuve en ce moment. C'est génial, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Allons, c'est rien, n'y pense pas. Ce cours n'en finit plus. T'as hâte d'en finir avec Joël? J'ai attendu ce moment toute ma vie. Tu viens à peine de le connaître. Tu vois à quel point cette attente peut me faire vieillir. J'espère que Vanessa va tout faire comme on lui a dit. Mais attendez, ça peut mal tourner. Si quelqu'un découvre... Vanessa, tu veux pas me décevoir? Mais non, bien sûr que non, Bianca. Alors prouve-moi que t'es une actrice à la hauteur de l'épreuve que je te confie. Qui sait, c'est peut-être le début d'une belle carrière, hein? Être actrice, c'est un bon métier pour toi. T'as pas besoin de réfléchir, juste de faire ce qu'on te dit. Ne sois pas jaloux, Greg. Quand j'aurai besoin d'un ignorant, t'auras pas besoin de faire un casting. Allez, va faire ta part du plan. C'est mieux, oui. Avant que je me lasse de tes plaisanteries de mauvais goût. On peut commencer? Oui. On n'a pas beaucoup de temps. Il vaut mieux commencer à réviser pour l'épreuve de portugais. J'en suis incapable. Déjà que je sais même pas quel jour on est, alors les accords verbaux... Ouais, mais on doit s'y mettre. On a eu zéro au dernier devoir de portugais qu'on a fait. Tu m'étonnes, m'en parle pas. On m'a frappé et on m'a volé mon cahier. Eh, c'est bon, ça suffit. Vous entendre, c'est encore pire que lire le règlement de l'école, les mecs. Tu peux aller faire un tour si tu veux. C'est exactement ça. Bébé, viens faire un tour. Prendre un peu l'air. C'est pour ça qu'on a des pauses, non? Oui. Un peu d'air va me faire du bien. Puis il faut qu'on parle tous les deux. J'aimais beaucoup Nzola. Je n'arrive pas à imaginer ce que ressentent ses parents. Et le professeur Roberto, quand est-ce qu'il revient? Je ne sais pas. Mais pas de sitôt. Il n'est pas bien du tout. Maria? Ma reine? Roberto? Il y a quelqu'un? Sainte Agnès, bonjour. Allô, bonjour. Écoutez, madame, je suis Laura Capala, la mère de Joël Capala. Ah oui, madame Capala, comment allez-vous? Je ne vais pas bien du tout. Je peux vous demander de dire à Joël de rentrer à la maison, s'il vous plaît? Oui, je vais lui transmettre le message. Mais vous avez quelqu'un qui peut vous aider? Non, ils sont tous sortis. Je ne sais pas où ils sont allés. Il n'y a personne. Et je... Madame... Je ne me sens pas...
Je ne me sens pas bien. Madame Capala, écoutez-moi. Calmez-vous. Calmez-vous. Oui, je vais appeler votre fils, bien sûr. Merci. Oui. Alors, maman, tu vas où en courant comme ça? Tu sais où est Joël? J'ai besoin de lui parler. Pourquoi? Sa mère a appelé. Elle se sent pas bien et elle a demandé qu'il rentre d'urgence. C'est vrai? Oh, allez, Bianca, tu sais où est Joël? T'en fais pas, maman. Je vais le trouver, je m'en occupe. D'accord, ma chérie. Merci, d'accord. Fais-le pour moi. On arrête de parler de Nzola. Écoute, tu peux m'aider à réviser la matière? Bien sûr. On peut faire un groupe? Bonne idée. Lemba se sentira peut-être plus motivé. C'est vrai qu'en ce moment, elle est un peu... Ça y est. Vanessa est prête. Il est là. Prêt pour l'abattoir. Regarde bien le show. C'est aujourd'hui ou jamais. Joël! Encore ta sœur. Si je m'enfuis, tu crois qu'elle me poursuit ou elle me lâche? Elle est tenace et obstinée. J'ai un message pour toi. Madame Elena veut me voir maintenant? Oui. Mais pourquoi? C'est urgent, ça va sonner bientôt. Je crois que ça concerne les notes, mais vas-y et demande-lui, elle est juste là, dans la salle 5. Ici? Ouais. Ah, Joël, quand t'auras fini, va au secrétariat. Ma mère m'a dit qu'elle a besoin de te parler. Elle aussi? Je suis la concierge de service, t'as pas besoin de me remercier. Bon, bah vas-y, madame Elena t'attend, la fais pas attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est madame Elena? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas tout de suite comprendre. Hé! Hey, ouvrez! Qu'est-ce qui se passe ici? Ouvrez! Ouvrez la porte! Vanessa, c'est quoi cette plaisanterie? T'es mon frère, Pedro, et je suis honnête avec toi. Ouais, c'est la première fois en 16 ans. Ton petit copain Joël fait les yeux doux à Vanessa. Greg, tu n'as rien d'autre que du venin dans tes veines. Si tu ne me crois pas, va voir à la salle 5. Et qu'est-ce qu'elle a, cette salle? J'ai vu Joël dedans en train d'embrasser Vanessa. Quoi? Va voir. T'apprendras peut-être à croire un peu ce que je te dis. Et tu verras qui est le vrai Joël. Explique-moi, Vanessa, pourquoi on nous a enfermés ici? Et pourquoi tu es dans cet état? On dirait que t'as été agressée. Oui, c'est toi qui m'as agressée. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai compris. Vous me tendez encore un piège. C'est exprès pour m'incriminer. Qui est-ce qui t'a dit faire ça? Dis-le-moi. Lâche-moi! Qu'est-ce qui se passe ici? Pedro, heureusement que tu es arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe, mon pote? Moi aussi, j'aimerais le savoir. Tu devrais demander à ta chère Vanessa. Pedro, Joël m'a agressé. Quoi? Je vais te casser la figure. Je l'ai pas touché, pas un seul cheveu. Et ses vêtements déchirés, ses marques, c'est quoi alors? Il a voulu me forcer à l'embrasser. Ce n'est pas vrai, tu ne peux pas la croire, Pedro.
Il m'a agrippé, il a essayé de m'enlever ma robe. Tu mens, t'étais déjà là quand je suis arrivée. Et quand j'ai essayé de m'enfuir, il m'a frappé. Comment t'as pu faire ça, Joël? Frapper une femme? J'ai compris ton petit manège, Vanessa. Pedro, c'est encore un piège qu'on m'a tendu. J'ai dit que je l'aimais et tu me fais une chose pareille, Joël. Bianca m'a dit que Madame Elena voulait me parler. Mais en arrivant, c'est Vanessa qui était ici. Et quand j'ai voulu m'en aller, la porte était bloquée. Parce que c'est toi qui l'as bloquée. Pour être tranquille et faire tes cochonneries avec Vanessa. Mais comment je pouvais le faire? La clé était à l'extérieur. Pedro, t'es arrivé juste à temps. Joël voulait me forcer, voulait abuser de moi. Ferme ta bouche, sale vipère! Sors d'ici, Vanessa, va-t'en! C'est moi qui vais régler ça! Eh ben, Vanessa en met du temps pour revenir. Greg, il vaut mieux être sourde que de devoir supporter tes commentaires. Mademoiselle Bianca m'a l'air bien nerveuse aujourd'hui. On t'a agressé? Pedro a surgi dans la salle. Il se dispute avec Joël. Alors notre plan a marché. Oui, ils sont dedans, ils se bagarrent. Parfait, Vanessa. Monsieur Elias? Monsieur? Monsieur Elias? Tiens-toi bien, Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Joël a agressé Vanessa. Comment? Vanessa, raconte toute la vérité à Monsieur Elias. N'aie pas peur. C'est vrai, Joël m'a agressé. Il t'a agressé? Oui. Et où est Joël? Dans la salle numéro 5. Mon frère Pedro est avec lui. Je vais régler ça tout de suite. Je vous accompagne. C'est le plus beau jour de ma vie. Dis-moi, Pedro, c'est l'amour? C'est l'amour qui te fait croire en fait... Fais attention à ce que tu dis. Je la connais depuis des années. Et moi, il m'a fallu un jour pour savoir qu'elle a simulé et qu'elle est menteuse. C'est ni une simulatrice ni une menteuse. Je vous ai vus ici enfermés tous les deux. Je n'ai pas touché un seul cheveu. Je vous ai trouvés ici enfermés tous les deux. Et ça en plus, dis-moi comment je peux m'enfermer ici si la clé est à l'extérieur. Vous autres, les malfaiteurs, vous avez plein de trucs. Vous avez plein de ruses. Vous vous prenez pour des victimes. Vous dites que Pedro, le monde est contre vous. Mieux que personne, tout ce qu'on m'a déjà fait subir. Joël, je ne crois plus rien de ce que tu dis. Réfléchis un peu, Pedro, réfléchis à tout ce qu'on m'a fait. Aux toilettes, mes vêtements, l'épouvantail, les œufs, la farine. Et ce jour-là, on aurait dû te laisser pourrir sur place. Pedro, tu crois qu'après avoir vécu tout ça, je serais capable de faire une chose pareille? Apparemment oui, puisque je découvre que t'es un menteur. Viens là. Ça suffit. Ça va, Pedro? Oui, mais celui-là va... Arrête. Je pensais que t'étais mon ami. Eh, petit con, mon frère n'a pas besoin d'amis comme toi. Greg et Pedro, sortez de là. Allez, on se casse. Il vaut mieux, oui. Regardez ce mec, me donne la nausée. Maintenant, tu vas m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je t'écoute maintenant, Joël. C'est vrai ce que je te dis. Le directeur Roberto me manque. Ouais. Depuis que sa fille est morte, on ne l'a plus jamais revue. T'as raison, la famille c'est comme une paillote. Si t'enlèves un pied, t'es sûr que la maison ne tiendra pas et finira par s'écrouler. Et un jour, elle peut se redresser? Et là, tu m'en demandes trop, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que cet homme doit vite retourner à l'école. Travailler va lui faire du bien, ça va l'aider à oublier son chagrin. Bonjour, ça va bien? Aujourd'hui, j'ai des chemises, vous voulez pas les voir? Eh, la dame aux chemises, comment ça va? Celle que tu m'as vendue a fait un tabac. Eh ben moi, aujourd'hui, je ne peux rien acheter. Viens juste jeter un œil. J'ai des nouveautés. C'est joli. Et pas cher. Eh non, moi non plus, je peux rien te prendre aujourd'hui, excuse-moi. Achetez-moi quelque chose, allez. Mon mari est mort. Je dois nourrir mon fils. Aidez-moi, s'il vous plaît. Mais ton mari est vraiment mort? Oui, il est mort. Il était très malade. Et les médecins n'ont rien pu faire. Oh. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Veza. Et voici mon fils, Philippe. Veza, tu sais, Nuno et moi, on est toujours là. Mais aujourd'hui, on peut rien acheter. Passe la semaine prochaine, d'accord? Oui, la semaine prochaine, moi aussi, j'achèterai quelque chose. D'accord, je repasserai. Et pourquoi t'en profites pas pour vendre devant la porte de l'école? Ils ont de l'argent, ces gens. C'est ce que je pensais. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je m'en vais. À la prochaine. Hey, bonne chance, Lisa. Courage. Au revoir, madame. La vie de vendeuse de rue, c'est pas facile.
toute la journée à tourner en rond pour pouvoir nourrir sa famille. Et cette femme, la pauvre, en plus sans son mari, qu'est-ce qu'elle va devenir? Ouais, et cette femme doit travailler encore plus, à moins que Dieu lui vienne en aide. Oui, ça me fait penser à ma cousine Jamila. J'espère qu'elle va bien. Eh, hey, il y a de la boue là. Ouais, c'est bon, j'ai vu. Une bonne vendeuse. Aujourd'hui, j'ai tout vendu à nouveau. On va devenir riche. Ses clients rapportent plus d'argent que les intérêts bancaires. Merci beaucoup de me faire confiance. Ma fille, il y a encore beaucoup de fruits à vendre là-dedans. Il n'y a qu'à aller remplir les seaux. Ce n'est pas la peine d'y aller. Et pourquoi? Je m'en vais. Jamila, réfléchis bien. J'ai dit qu'on serait riche. On ne l'est pas encore. Je sais, mais avec l'argent que j'ai, je peux tenir quelque temps à Luanda. Je vois que tu as toujours en tête d'aller retrouver ton cousin. Nuno est comme un frère pour moi. Et la famille doit s'entraider, c'est bien ce qu'on dit, non? Tu es une bâtisse. Tu mérites un Oscar. T'as joué ton rôle à la perfection. Tu vas me donner une récompense? Mm-hmm. Tiens, il doit y avoir encore des restes de mon intelligence. Ça peut te servir à l'avenir. Vanessa, comment tu vas? Très mal. Je me sens comme une vieille chaussure souillée en lambeaux, traumatisée pour toujours. Je te l'avais bien dit, Pedro. Et heureusement que tu m'as écouté, sinon ce serait encore pire. Ouais, t'as raison. J'aurais jamais cru que Joël pouvait faire une chose pareille, en tout cas. Ne fais pas de soucis. Sa fin est proche. Je suis sûre que Madame Margarita saura régler le problème à sa façon. À demain. Oui, à demain. Avec des hanches pareilles, elle coule à pic. C'est le jour où je voulais pas te faire de peine, mais
Non, madame. Mon père n'est pas bien du tout. Mais est-ce que tu sais quand est-ce qu'il pense revenir à l'école? Il n'a pas l'air de récupérer. Depuis la mort de ma sœur, il a même commencé à boire. C'est vrai? L'alcool amène tellement de problèmes dans une famille. Tu dois l'aider à surmonter cette douleur, Lemba. Je sais, vous avez raison. William, je vais aux toilettes. On se retrouve en classe. D'accord. Vas-y. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Merci, madame. Allez, vas-y. Tu m'as terriblement déçu, William. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. C'est justement ça, le problème. Ouais, j'ai l'air un peu bête, mais vous pourriez m'expliquer ce qui se passe? Tu n'as pas l'air, tu es bête. Je t'ai offert des cours de soutien gratuits chez moi, et jusqu'à présent, ma proposition moisit dans un coin. Sincèrement, j'ai pensé que vous vouliez juste être sympa avec moi, et j'ai pas voulu abuser de votre bonne volonté. William, mon chéri, il y a des attributs qui me vont comme un gant, beaucoup mieux que la charité. Tu ne crois pas? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Elias. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas du tout touché Vanessa. Alors pourquoi elle était comme ça? C'était un piège. Quelqu'un a fait ça pour me causer du tort. Très bien. T'as pas à me l'expliquer à moi, mais plutôt à madame Margarita. Je vous en prie, monsieur Elias. Bon, maintenant que tu es plus calme, on va y aller. Je jure que j'ai rien fait à Vanessa. Professeur, heureusement que vous êtes là. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Où tu avais la madame, tête, Joël? Madame, je n'ai rien fait, j'ai été dans la Tais-toi. Salle. Le scandale d'une agression entre les élèves de cette école me suffit. Je ne discute pas de ceci dans les couloirs. Madame, croyez-moi. Cette décision, je la prendrai après vous avoir entendu un par un. Elias, amenez-moi les élèves concernés dans mon bureau. Oui, madame. Je vous accompagne. Je vais vous raconter comment... Plus tard, je veux d'abord entendre la victime. Le compte à rebours a commencé. Bientôt, ce pendu s'appellera Joël. À ton avis, madame Margarita va faire quoi à Joël? Je suis fatiguée, j'ai dû répondre à tant de questions. Alors raconte. Madame Margarita m'a posé beaucoup de questions, j'ai répondu à toutes, maintenant je veux me reposer. Et Pedro a déjà été interrogé? Vanessa, qu'est-ce qui s'est passé avec Joël? Joël m'a frappée. Il voulait profiter que je sois seule pour abuser de moi. J'en crois pas un mot. Bébé, Vanessa a des marques. William, je connais parfaitement bien Joël. Il serait incapable d'agresser Vanessa. Lemba, tu nies l'évidence. Tu ne devrais pas lui faire confiance. Aujourd'hui, c'est Vanessa, demain... Tais-toi, Bianca. Non, Joël est un marginal. Calme-toi. Tu connais à peine. Eh bien, heureusement, j'espère que madame Margarita sera intransigeante et qu'il sera sévèrement puni et exclu de l'école. Joël, mais qu'est-ce que tu fais là? J'attends d'être reçu par madame Margarita. Mais avec ta mère dans cet état, moi je pensais que tu étais déjà partie à la maison. Ma mère? Quel état? De quoi est-ce que vous parlez? Écoute, elle a appelé tout à l'heure. Mais Bianca ne t'a pas transmis le message? Elle m'a dit d'aller vous trouver au secrétariat. Mais qu'est-ce qu'elle voulait, ma mère? Calme-toi, calme-toi. Elle semblait nerveuse. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'il n'y avait personne à la maison. Et elle voulait que tu rentres. Bianca m'a rien dit de tout ça. J'y vais Joël, tout de suite. Viens ici, c'est ton tour. Madame, je dois aller chez moi. Ma mère a besoin d'aide. Quelle excuse? T'as peur de la punition? Toi, ferme-la. Je ne veux plus rien entendre. Pedro, retourne en classe. Je vous dis que ma mère a besoin de moi. C'est la vérité, Margarita. Sa mère n'est pas bien. Je dois aller voir ma mère. Ce que j'ai à te dire est rapide, très rapide même. Mais... Entre là. Mais madame... Entre. Rien. Personne ici n'a vu Roberto. Oh. J'ai parcouru toutes les rues. J'ai demandé à tous les gens. Je suis allée voir au bar là-bas. Rien. Vous voyez ma vie? Mon mari boit et disparaît. Je ne sais plus où le chercher. Mais on a déjà fait le tour du quartier. Et s'il était retourné à la maison? Oh. Roberto n'arrive plus à se contrôler. Il ne buvait pas avant, mais quand il le faisait, il ne savait pas s'arrêter. Il n'a jamais été comme ça. C'est cette tragédie qu'il a. Il n'est sûrement pas rentré, puisqu'il n'y a plus rien à boire. Alors, où est-ce qu'on va le chercher? Allons voir au bar de mon cousin Mario.
Mais c'est pas loin, non. Et il y a à boire et du monde. Je suis sûre que Roberto y a pensé lui aussi. Quelle déception. Je ne veux pas imaginer comment Roberto va réagir. Madame, s'il vous plaît, je dois rentrer à la maison. Ne recommence pas. Assieds-toi. Je ne peux pas rester ici. Arrête, ma mère avec a besoin... tes prétextes. Assieds-toi. J'ai déjà entendu Vanessa et Pedro. Il me manque la version du coupable. Je ne suis pas le coupable. Je n'ai rien fait à Vanessa. Et ses vêtements déchirés et ses marques sur son corps, c'est quoi? Une illusion d'optique? Je n'en sais rien. Je n'ai pas touché Vanessa, je ne l'ai pas embrassée. Je ne l'ai même pas forcée à quoi que ce soit. Ça va, Joël. Les menteurs ont de l'imagination. Alors vas-y, fais un petit effort. Madame, on m'a enfermée dans la salle avec cette hystérique. Elle a commencé et à crier... Pourquoi Vanessa aurait fait tout ça? Je ne sais pas. Depuis mon arrivée dans cette école, quelqu'un veut que je m'en aille. J'aimerais bien savoir qui. Tu fais des progrès, Joël. Bientôt, tu pourras presque écrire un roman. J'insiste pas. Je vous ai dit la vérité. Croyez-moi si vous voulez. Il faut que j'aille voir ma mère. Je vais être très brève. Joël, je suppose que tu sais que le règlement d'une école comme Sainte Agnès est très précis en matière d'agression. Que voulez-vous dire? Joël! Joël! Attends! Tu vas où? Lemba, je dois m'en aller. Ma mère a besoin de moi. Tante Laura? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, elle a appelé pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Calme-toi, grand-mère doit être avec elle. Elle était seule à la maison, je dois y aller. Attends, Joël. J'ai appris ce qui est arrivé avec Vanessa. Comment ça a été avec Madame Margarita? Qu'est-ce qu'elle... Elle m'a expulsée de l'école. Quoi? Mais comment elle... Lemba, on verra ça plus tard, je dois aller voir ma mère. Tu veux que j'aille avec toi? Maman! 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 Parle-moi, maman. Qu'est-ce que t'as? Maman, je t'en prie, réveille-toi. Maman, 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 réveille-toi, je t'en prie, maman. Oh, maman, maman. Tonton. Oh, maman, 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 réveille-toi. Maman, je t'en supplie, parle-moi. Maman, maman. C'est là. C'est là le bar de mon cousin Mario. Oh, je suis si fatiguée, j'espère que Roberto est là. Roberto! Oh, mon Dieu, regarde dans quel état il est. Roberto. Hein? Oh, Roberto. Oh, Maria. Maman. On est venu te chercher, Roberto. Non, je reste ici, maman. Oh, quelle honte, Roberto. Viens, on rentre à la maison. Viens. Il n'y a pas de Zola à la maison. Regarde-toi un peu. Il n'y a plus mon bébé. Oh, regarde dans quel état tu es. Je ne veux pas rentrer à la maison. Je veux rester ici. Je veux être Zola, ma mon bébé. Fils, arrête de boire comme ça. Tu dois te ressaisir. Tu dois te contrôler. Viens, allons-nous-en. Viens. Ne dites plus rien, belle maman. On va l'emmener à la maison. Viens, allez, viens. Je veux être Zola. Viens. Je veux retrouver. Oh, mon Dieu, aidez-nous. Je vous en supplie. Oh, maman, je t'en prie. Maman, maman, réveille-toi. Maman, dis quelque chose. Maman, oh mon Dieu, oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh, maman, maman, dis quelque chose. Je t'en prie, maman. Oh, il me faut de l'aide, maman. Madame, ouvrez la porte, madame. Venez vite. Ma mère est pas bien. Elle se réveille pas. Elle est évanouie, madame. Laura! Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Vite, vite. Dieu, mon mari n'est pas encore arrivé. Je vous en prie, madame, aidez-moi. Elle n'est pas bien. Des fois, on dirait qu'elle respire, mais après, je crois qu'elle a du mal. Il faut faire quelque chose. Vous n'avez pas un médecin de famille ou un des amis de ton oncle? Ah oui, le médecin. Je vais appeler le docteur Sergio. Allô? Il faut que je parle au docteur Sergio. Je suis Joël Capala, c'est urgent. Il arrive à quelle heure? Ma mère a eu un malaise, elle est pas bien. Oui, 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 merci. Ah, Soraya, c'est un bonheur indescriptible. Je crois que mon cœur va sauter de joie. Tout ça, c'est à cause de l'expulsion de Joël? Ça ne te suffit pas? Sans ce gamin, Roberto n'aurait jamais soupçonné notre petite affaire. Tu sais, il me fait de la peine, ce garçon. Quand on croise le chemin d'une reine, on prend le large, sinon on est écrasé par le carrosse. Tu crois vraiment qu'il a agressé Vanessa? Ça n'a aucune importance. Il a été accusé, expulsé, sa crédibilité est à zéro. Et nous, on va vivre heureuses pour toujours.
comme deux reines. Non, il n'y a qu'une reine, Soraya. Toi, tu seras la dame de confiance. Allô? Allô? Madame Soraya, c'est Joël. Joël? J'ai besoin d'aide. Ma mère n'est pas bien, elle est évanouie, il n'y a personne à la maison. Il faut que je l'amène à l'hôpital. Dites à Lemba de venir le plus vite possible. Calme-toi, Joël, j'ai compris. Oui, Soraya, je lui donne le... raccroche. Dites-lui d'amener de l'aide, s'il vous plaît. Oui, Joël, oui, je vais appeler Lemba. On va envoyer de l'aide. Calme-toi, Joël, calme-toi. Oui. Voilà. Tu as changé ton fusil d'épaule, c'est ça? Non, mais sa mère est très malade. Et moi, j'ai pas une pierre à la place du cœur. Elias, Elias, vous savez dans quelle salle sont les élèves de terminale? Dans la salle 10, madame. Il y a un problème? Ah oui, mais bon, c'est pas dans vos compétences. Et voilà, c'est comme d'habitude. Dès que ça sonne, Bianca et Greg disparaissent subtilement. T'en fais pas, ils ne vont jamais bien loin. Excusez-moi, madame Elena. Lemba, il faut que tu rentres à la maison. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un problème, Soraya? Joël a appelé au secrétariat. Sa mère s'est évanouie. C'est vrai? Tante Laura est si mal? Il a besoin d'aide, il est seul avec sa mère et il faut absolument l'aide pour la conduire à l'hôpital. Mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je t'amène, je vais avec vous à l'hôpital. Merci, madame. Lemba, si tu veux, je peux aussi t'accompagner. C'est pas la peine, William. Allons-y. Lemba, attends, Lemba! Plus tard, William! J'en peux plus d'attendre. Il faut qu'elle se réveille. Maman? Alors, Joël, comment va tante Laura? Elle est toujours évanouie? Oui, elle ne répond pas. Je ne sais plus quoi faire. Attends. Alors, madame? Elle ne respire pas. Oh, mon Dieu! Oh non, il faut qu'on l'amène à l'hôpital, non, vite! Madame, calme, vous avez Joël, une voiture, non? Joël, depuis combien de temps ta mère est comme ça? Les médecins savent ce qu'il faut faire. Ils sont obligés de savoir, non? Allons à l'hôpital, je vais juste laisser un mot ici. Ils vont l'aider à respirer à nouveau. Ils peuvent faire ces choses-là, je l'ai vu quelque part. Du calme, Joël, je vais t'aider. Oh, ma mère ne va pas mourir. Elle ne va pas mourir.